je m'appelle Izu, Choi en chinois. Je suis une artiste multimédia et je suis une artiste chinoise, mais qui n'est pas tout à fait complètement chinoise parce que j'ai eu un parcours hors norme, parce que j'ai grandi en Europe et j'ai commencé ma carrière ici en France. Et ensuite, maintenant, je suis basée en Chine. Je pense que le mélange des cultures fait en sorte que mon art n'est pas un art qui est complètement chinois, mais qui va au-delà des frontières. C'est pour ça qu'il y a des magazines qui ont souvent décrit que je suis un pont entre l'Orient et l'Occident. Et d'ailleurs, en 2010, j'ai réalisé une œuvre qui s'appelle The Year, avec la participation de Pharrell Williams, qui représente l'oreille externe et l'oreille interne traversée par un pont. Et le pont qui connecte en fait les mondes et les visions et les sentiments. Le défi pour un artiste comme moi, c'est de pouvoir transmettre de l'émotion à travers des outils qui sont froids, qui sont générés par l'ordinateur. Étrange Poésie est une exposition qui représente 10 vidéos que j'ai réalisées depuis le 2003. Et donc ce sont des vidéos à la fois d'animation 3D et des vidéos qui sont tournées en 35 mm et aussi des vidéos qui sont réalisées récemment. Shanghai's Modernism est une œuvre que j'ai créée à Shanghai avec l'architecte Marcelo Julia, qui est un architecte argentin. Nous avons déconstruit et construit certaines des installations qu'il a créées dans un bâtiment qui s'appelle K2 à Shanghai. Et nous avons recréé dans un studio comme une performance où en fait ça représente une démarche qui est pour moi la Chine du futur, parce que c'est un mélange entre les différentes cultures, les différentes disciplines. Et il y a un certain glamour, une certaine rapidité dans la construction, dans la déconstruction. Et donc je voulais juste faire un recording de ces temps-là. Dans un monde qui est multimédia et que le futur sera fait des gens qui sont multidisciplinaires et multiculturels et qu'il faut croire et foncer dans nos visions.